Hello, c'est Judy, j'espère que vous allez bien. Suite à l'annonce du nouveau pack avec les chevaux qui arrivent en juillet, j'ai eu envie de créer les Sims qui nous accompagneront à la découverte de ce nouveau gameplay avant sa sortie, comme je l'avais fait pour Grandir Ensemble. Les CC utilisés seront tous listés en barre d'infos, et bien évidemment quand le pack sera sorti, je relookerai notre petite famille avec les éléments de ce pack. Sur ce, laissez-moi vous raconter l'histoire de Tiffen Leach, qui a été arrachée à son quotidien citadin qu'elle adorait tant. Avant de démarrer cette toute nouvelle vie à la campagne, Amber tenait un salon de beauté réputé dans un quartier mouvementé de San Myshuno. Tiffen était scolarisée à Copperdale, la ville voisine où les coins les plus branchés étaient fréquentés par les ados. Les affaires marchaient plutôt bien pour Amber, jusqu'à ce qu'un autre salon ouvre dans le même quartier. Un concurrent direct qui n'a pas mis beaucoup de temps à s'approprier sa clientèle avec leurs moyens plus élevés et leur nombre grandissant d'employés, là où Amber n'en avait qu'un seul à ses côtés. Elle n'a pas eu le choix que de mettre la clé sous la porte. Mais après ça, retrouver un autre travail aussi bien rémunéré semblait difficile, voire impossible. Les factures s'accumulaient et elle peinait à les payer en temps et en heure. À San Myshuno, Amber et Tiffen avaient fini par vivre au-dessus de leurs moyens. Amber enchaînait deux petits boulots, mais elle sentait qu'elle n'arriverait pas très longtemps à garder un tel rythme. Un jour, elle reçoit un appel de Thomas, son cousin éloigné. Il tenait le ranch familial depuis plusieurs années déjà et avait trouvé l'opportunité de quitter sa ville natale pour partir enseigner à l'étranger. Il a voulu au départ demander conseil à Amber concernant la vente du ranch, mais elle l'a stoppé directement dans son élan. « Et si je reprenais le ranch ?» a-t-elle pensé. Ils se sont arrangés et dans un commun accord, Thomas a pu partir pour le mont Komorebi, tandis qu'Amber et Tiffen ont tout laissé derrière elles pour enfin dire adieu à cette vie devenue trop onéreuse. Quand elle était encore petite fille, Amber passait des heures durant dans ce ranch, à s'amuser avec Thomas, avec son père, sa mère, les animaux environnants et ses deux chevaux. Revenir en ces lieux après tant d'années provoqua en elle une forte amertume, surtout en constatant que pratiquement rien n'avait changé. Avoir été contrainte de fermer boutique et quitter son confort n'avait pas été chose facile, mais en revenant sur les lieux de son enfance, tout son amour pour la nature et les chevaux lui revint en pleine figure. Elle n'avait qu'un objectif à ce moment-là, transmettre à Tiffen sa passion pour l'écurie. Mais pour Tiffen, les choses étaient loin d'être aussi parfaites. Du jour au lendemain, elle avait dû quitter ses amis, sa maison confortable, sa wifi ultra rapide, son intérêt pour stream sur des jeux vidéo et ses sorties à la friperie après le lycée avec ses amis. Elle en voulait énormément à sa mère de ne pas s'être un petit peu plus battue pour son salon de beauté et elle la détestait aussi de l'avoir privée de ses projets de vie. En effet, Tiffen est dans l'année du bac. Après ça, elle voulait s'inscrire à la fac de Foxbury, qui se trouve désormais à 6 heures de route. Elle désirait aussi obtenir un travail saisonnier dans cette fameuse friperie qu'elle adorait tant, et voulait passer un été mémorable à la plage avec ses copines les plus proches, Sarah et Lucy. Au lieu de ça, elle se retrouvait dans une maison de campagne où le réseau était douteux, séparée de tout ce qu'elle aimait. Pour elle, sa mère lui avait gâché la vie, et elle ne voulait rien entendre des chevaux et du reste. Pourtant, quelqu'un d'autre allait être capable de lui faire comprendre que non, tout n'était pas si noir ici. Que la vie pouvait être amusante et pleine de rebondissements. Quelqu'un qui allait réaliser le rêve d'Amber, de faire aimer cet environnement au départ hostile à Tiffen. Voilà du coup pour l'histoire de nos deux protagonistes principales. Bien sûr, il y aura d'autres personnages, mais ils sont pas dans le foyer, donc j'ai pas voulu les présenter dans cette vidéo. Je vous les présenterai quand on commencera ce let's play. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de ce prochain pack. Moi, je suis surexcitée. Je suis pas forcément une grande fan de chevaux dans la vraie vie, mais j'ai toujours aimé les chevaux dans les Sims 3. Et voilà, c'est un animal quand même que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a capacité à faire pas mal de choses avec ce nouveau gameplay. Donc je suis super contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, en attendant, je vais vous laisser avec la fin de cette création. Je vous laisse aussi tous les liens en description comme promis. Vous avez également mon Tumblr où tous mes CC que je présente depuis le tout début de ma chaîne sont répertoriés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye !